Geta Wende, Narcisse et Yoda, frère mineur capucin. Je suis très heureux aujourd'hui pour le don que le Seigneur m'a donné. Il m'a comblé de toutes les grâces en me choisissant, malgré mes faiblesses, pour faire de moi son serviteur. Il me confie une tâche noble qui est le sacrifice de l'autel et le service et la sanctification du peuple de Dieu. C'est une tâche très noble que je me dévouerai à assumer avec joie, disponibilité et humilité. Il faut dire, la vocation est un mystère parce que il y a eu un moment, je n'y pensais pas du tout. Ah, le Seigneur m'a pris dans mon milieu. Je suis revenu sur la voie. Après le secondaire, voilà, j'ai commencé un cycle universitaire quand le Seigneur m'a pris. Voilà. Et j'ai connu les frères grâce au frère Harry. J'ai appris à faire leur connaissance et j'ai été touché par leur mode de vie. C'est ce qui m'a amené à les approcher et à demander à faire partie de cet ordre. Donc, on m'a accepté et j'ai fait un cycle de 2 ans en Côte d'Ivoire pour le postulat, un cycle de 2 ans au Cameroun pour le noviciat et le post-noviciat, un cycle de 3 ans au Bénin pour la philosophie. Et je suis revenu pour une expérience communautaire, une année. Et après, j'ai un cycle de 4 ans au grand séminaire Saint-Jean-Baptiste de Wayalguin. Voilà, un chemin rempli d'embûches, mais un chemin joyeux également. Et à la fin de ce parcours, je rends grâce à Dieu pour sa main puissante qui n'a jamais cessé de me combler de toutes les grâces pour que je puisse cheminer comme il se doit. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre sur ce chemin de vocation. Voilà. Et aujourd'hui, avec eux tous, je rends grâce et je dis que ce n'est pas la fin, c'est le début même. Donc je demande à tout un chacun de continuer de prier pour moi afin que je puisse être un prêtre selon le cœur de Jésus-Christ. Voilà, je rassure tout un chacun aussi de mes prières chaque fois que je lèverai la coupe de salut. Merci beaucoup et merci également à l'équipe de Tous en Cœur qui est avec nous depuis un bon moment. Merci beaucoup, que Dieu vous comble et vous bénisse abondamment pour le service que vous rendez à toute l'Église. Soyez-en gratifiés par le Seigneur. Merci. Amen.